pas de... Ça, on ne coupera pas, ça. On fait un teaser avec ça. Salut tout le monde, François Lemay ici. Bien heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une entrevue particulière à faire avec vous, avec quelqu'un que j'apprécie profondément, qui est dans ma vie depuis... 7 ans, ouais, peut-être. Je pense 7 ans. Environ. Vous savez, quand que je vous parle de connaissance de soi, de trouver son essence, son côté unique au travers de tout ça, bien, je pense que ma prochaine invitée, Jasmine, elle a une expertise bien particulière, va pouvoir vous emmener sur des pistes de réflexion qui sont peut-être plus détaillées que ce que je vous partage. Vous savez, des fois, je suis dans mon intuition, je suis dans mon air d'aller, puis tout ça, je vous fais vibrer. Jasmine arrive à mettre des mots sur certaines choses. Sans plus tarder, je vous présente mon amie, coach, conférencière, formatrice, directrice de Suisse Nova, c'est oui. Ça? Jasmine Bélanger, salut, je te donne la bise. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Oui. Écoute, c'est un privilège de te partager avec toute notre communauté de leaders ici qui nous écoutent. Parce que Jasmine, tu as un parcours exceptionnel. Hein? Tu n'as pas toujours été ici au Québec en plus. Tu as parcouru le monde. Mm-hmm. Et aujourd'hui, tu formes des coachs, tu formes des gens, tu aides des gens à mieux se connecter avec qui ils sont, mieux se découvrir. Une meilleure connaissance de soi, mieux communiquer. Tu veux-tu nous partager un peu ton parcours? T'es qui, toi? Puis tu viens d'où, toi? Moi, je suis une passionnée de l'être humain, ça, c'est sûr. Ça m'a toujours habité. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai été en quête de mieux me connaître, faire des ateliers de découverte de soi puis de développement personnel, beaucoup. Puis j'ai toujours voulu chercher le meilleur chez les gens. Je le voyais facilement. Quand je rencontre quelqu'un, je vois tout de suite son potentiel. Quand tu dis toujours, là, c'est toujours jusqu'à quand, ça? Depuis très, très longtemps, jeune adolescente, ça commençait. Déjà, j'aimais comprendre l'être humain puis comprendre qu'est-ce qui motive les gens puis qu'est-ce qui les rend heureux. Ouais. Fait que j'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en philo, je me suis posé des questions sur la vie. Puis c'est quoi le sens de la vie puis pourquoi on vient sur Terre, puis c'est quoi notre mission de vie. Ouais. Donc, moi, je l'ai fait beaucoup pour moi-même en premier. D'abord et avant tout, D'abord et avant tout. Fait que j'ai vraiment commencé avec moi-même, puis j'ai fait un peu le processus normal comme tout le monde. J'étais allée à l'université, puis au milieu de parcours à l'université, vraiment, je sentais que je me fanais, que j'étais vide. Je sentais pas vraiment ma flamme vibrer. Okay. Puis je suis allée voir mon père à l'époque, puis j'ai demandé, oublie que t'es mon père, puis sois un coach en ce moment. Okay. Parce que ton père était déjà dans ce domaine-là. Oui, c'est déjà ça, un coach, j'étais déjà là-dedans. T'étais déjà chanceuse d'avoir des gens qui s'intéressent à ça, d'avoir une famille qui est dans le développement personnel, qui c'est ont ça, intérêt, exactement, de baigner là-dedans. Puis mon père, il m'a fait mon profil de personnalité. Okay. Ça a été un moment de révélation intense. Là, j'ai vraiment senti un alignement, un moment là où j'ai une clarté cristalline sur c'était quoi mon chemin de vie. Mais t'as pas juste pour celles qui nous écoutent en disant, premièrement, t'es privilégié d'avoir... Quel âge que t'as à ce moment-là? Là, quand 20 ans. 20 ans. Oui. Donc, dans ton parcours, mais d'avoir une famille qui sont dans le développement personnel, mais qui fait ton profil de personnalité. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, là. C'est quoi un profil de personnalité? C'est-tu ton père, il t'a lu? Non, parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait remplir un questionnaire. OK. Ça m'a pris 15 minutes. OK. Puis après, ça m'a donné un rapport complet d'une quarantaine de pages. OK. Pour voir c'est quoi mes motivations, c'est quoi ma nature profonde, mon style naturel. Wow. C'est quoi mon style adapté? Comment je m'adaptais pour soit plaire aux autres ou être approuvée? Okay. Je perdais de l'énergie déjà à m'adapter. Puis quand j'ai vu mon style naturel, j'ai dit, ben oui, c'est ça. C'est là, tu as fait un éveil un peu d'une certaine façon. C'est vraiment ça. Moi. Là. J'ai vu une partie de moi qui était enfouie, en fait. Okay. L'aspect de moi qui était plus fonceuse puis déterminée. Puis l'entrepreneur qui sommeillait en moi, c'est comme réveillé quand j'ai vu mon profil. Ah, t'es-tu sérieuse? Ouais. Et là, tu le laissais. Il y avait une partie de toi qui savait ça. Ben je ne savais même pas même que j'avais pas. Ça okay. en okay. moi, non. Okay. Puis je voyais vraiment que j'étais plus une personne relationnelle et tout, c'est sûr, j'étais quelqu'un de joyeuse, mais j'avais pas vu mon feu puis ma fougue. Okay. Mais toi, tu te rendais-tu compte à ce moment-là que avec tes amis, peut-être que tu avais cette drive-là ou tu voyais pas ça du tout? Je le voyais pas. Je voyais que j'étais une personne intense. Puis... Okay. Que j'avais beaucoup de leadership, mais je m'en rendais pas compte. OK. C'est, je pense que les autres le voyaient chez moi, mais pas moi-même. OK. Donc, en voyant ça, le profil qui est sorti, ce que ton père t'a fait comme coaching, profil, comme profil, là, tu as eu un éveil en disant, ben oui, c'est un côté de moi aussi que tu as reconnu. Puis c'est là que ma flamme s'est réveillée. Cool. Parce que je m'ennuyais à l'université, vraiment. Je me sentais qu'il me manquait de partir des projets, puis j'avais envie d'être sur le terrain. Puis je me souviens écouter le prof me dire...
mais qu'est-ce que ça va me donner concrètement, ce qu'il est en train de m'enseigner? Je vais aller les lire, les livres. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Je vais aller lire les livres, donne-moi les références, je vais aller les manger, puis on va faire quoi avec ça après? Tout à fait, exactement. Puis, dans le fond, fait, quand j'ai vu mon profil, c'est là où j'ai eu un moment de révélation. J'ai dit, moi, je vais aider le plus de monde possible, connaître qui ils sont vraiment, pour qu'ils soient en alignement avec qui ils sont, puis qu'ils puissent se réaliser. Mais moi, j'avais des grandes idées, là. J'ai dit, OK, on retourne au Québec, parce que c'était ma terre natale. Mais quand tu dis retourne au Québec, t'étais où? J'étais en Suisse. T'étais en Suisse quand c'est arrivé, là. À 20 ans, autour de ça, t'étais en Suisse. J'ai vécu 13 ans en Suisse. OK, t'as vécu 13 ans en Suisse. Ça m'a beaucoup nourri. Ça m'a vraiment. J'ai fait toutes mes études là-bas. Donc, ton père, lui, fonctionnait en Suisse à ce moment-là. Ouais. OK, parfait. Fait que c'est là qu'il y a eu tout cet éveil-là pour toi. Oui. Puis t'as dit, OK, là. Oui, parce que lui, il est parti Swiss Nova en Suisse à la base. Ça fait en 97. OK, parfait. Ça fait 20 ans. Oui. Mais là, on s'est dit, OK, on va développer un Swiss Nova au Québec. Oui. Puis on va partir ce profil-là, puis aider le plus de monde possible à mieux se connaître. En utilisant ton leadership, ton sens entrepreneur que toi, tu venais d'éveiller, puis tout ça. Oui, puis aussi l'aspect de moi, tu sais, très altruiste, puis qui veut faire un monde meilleur. Puis j'avais un côté de moi vraiment où je voyais le potentiel chez les gens, mais avec l'outil, c'était concret, ça parlait au rationnel aussi. Oui, exact. Pas juste intuitivement dire, ah, moi, je vois ton leadership, François. C'est que là, le profil noir sur blanc, basé sur des psychologues, ça te le dit aussi. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que je connais très bien Jasmine, c'est une grande rêveuse aussi, d'abord et avant tout, comme vous me connaissez. Hein, c'est une grande rêveuse qui veut changer le monde, qui veut faire une belle différence, elle a le cœur grand comme ça. Mais aussi, aujourd'hui, tu t'appuies sur tout ça et tu reconnais la différence en chacun. Puis c'est ça que tu veux faire ressortir un petit peu. Oui. Et là, aujourd'hui, tu fais ça, Jasmine, partout dans le monde, je me trompe pas. Partout dans le monde. Là, on est au Moyen-Orient. Okay. On est aussi en Tunisie, Algérie, en Suisse, en France. Okay. C'est cool, donc, ça! C'est cool! T'es en train de rayonner beaucoup. C'est parti d'une vision, c'est parti ce jour-là quand j'ai vu mon propre profil. Parce que je pense qu'il faut commencer par soi-même. Ouais. C'est la base. Ah, tout à fait. Puis je suis tout le temps en train d'apprendre à me connaître, puis à me réajuster, puis à me réaligner avec mes valeurs, mon profil, tout ça, puis mes énergies. Ouais. Et là, tu as changé avec le temps, probablement, toi, au travers. C'est sûr. Tu t'alignes de plus en plus. De plus en plus. Tu es devenue une maman. Oui. Hein, une maman de deux enfants. Oui, dernièrement, deux enfants un autre enfant de deux mois. Deux mois, là. Ouais, c'est ça. Et ça, tu sais, la femme, elle se réalise au travers de son entrepreneuriat, être maman, être dans l'amour, changer les choses. Aujourd'hui, tu formes des gens, vous êtes plein de consultants un petit peu partout dans le monde. On a plus d'une centaine de consultants au Québec. C'est magique. Et on en a plein à travers le monde. Qu'est-ce que tu peux dire, mettons, que les consultants, ça change dans leur vie ou les gens que vous touchez, que vous faites les profils, c'est quoi que ça peut changer dans leur vie? Mais beaucoup de choses. J'ai fait des profils autant des équipes de travail. Par exemple, une fois, je suis allée dans une garderie. Puis il y avait un... Tu sais, les femmes, des fois, entre elles, font du bitching, là, on connaît ça. Ouais. La switch à bitch. Oui, la switch à bitch. Puis la directrice du CPL m'a appelée, puis elle a dit, bon, est-ce que tu pourrais me faire une activité de synergie d'équipe avec ton profil Nova? Ouais. Fait que là, je suis allée, puis j'ai fait le profil de chaque personne. Puis là, je leur ai montré les différences, puis les complémentarités. Au lieu de se juger parce qu'on est différent, puis de se taper sur les nerfs parce que l'autre, elle fonctionne différemment de moi. Tout à fait. Bien, elle a des forces que moi, j'ai pas. Fait que je leur ai donné un langage pour mieux fonctionner ensemble, puis mieux mieux s'aimer, puis arrêter de se bitcher, mais plutôt de s'aimer telles qu'elles sont, puis de justement, ah, dans tel contexte, toi, tu es plus forte que moi. Exact. Donc, tu vas m'aider, fait que ça donne de la synergie. Une belle collaboration, une belle co-création. Ouais. Au lieu de se comparer, puis de dire, elle n'arrive pas comme moi, puis elle ne pense pas comme moi. Puis... Et je pense que c'est la beauté de tout ça. C'est vraiment, tu sais, c'est de co-créer, c'est de travailler, c'est le respect de nos différences. Oui. Tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est ça la beauté. C'est ça. Et moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, ici, on a plusieurs personnes. Il y a Carl qui est en train de nous filmer présentement. Tu veux pas que ça soit moi qui filme? Non! Puis je veux pas que tu m'arraches les dents non plus. Non, tu veux pas que je t'arrache les dents. Parce que le dentiste, je préfère qu'il soit comme précis, concentré. Exact! Le pilote d'avion aussi, là. Ah oui, je veux pas qu'il soit... Ah, gang, ça va aller, là! Ça va aller, c'est bon. J'aimerais ça, essayer ça. Hey, on décolle, gang, et nous prêts! Je sens que ça va être correct, tu sais. Mais c'est ça, la beauté. Puis être un entrepreneur, mais c'est aussi de... Et moi, ça m'a vraiment aidé, hein, tout le profil Nova puis tout ça, parce que ça m'a aidé à comprendre que... Je veux pas toutes des gens comme... Surtout pas toutes des gens comme moi. Mais moi, je suis comme moi. Exact. Tu sais, je suis le train de mon entreprise et tout ça. Mais je veux avoir des gens qui sont complémentaires, mais qui sont dans leur unicité. Puis dans leur force. C'est comme si je prends Carl, mais il est pas beau, mais il est organisé au travers de tout ce qu'il fait. Il est organisé, il planifie ses choses, il est structuré au travers de tout ça. Et mais je viens juste de dire, il est pas beau, mais il a un super sens de l'humour. Fait que c'est aussi pour ça qu'on connecte ensemble. Mais...
C'est la même affaire pour tous les gens qui nous entourent au travers de tout ça. Et ça, ça l'aide énormément. C'est sûr. Mais es-tu d'accord avec moi pour dire que d'abord et avant tout, on doit se connaître? C'est la base. Ouais. C'est la base. Mais tu sais, quand tu me demandais ça aide à quel niveau, aussi les équipes de travail, mais aussi les couples, les associés qui ont une entreprise ensemble, parce que des fois, tu n'as peut-être pas les mêmes valeurs. Peut-être qu'il y en a un qui est plus altruiste, puis il dit, ben moi, notre entreprise va être à vocation d'aider, puis ils vont faire beaucoup de bénévolat, mais l'autre, il est super utilitaire, puis lui, c'est le rendement, puis le retour sur investissement. Puis ils ont deux styles de gestion de leur entreprise complètement différents. Exact. Fait que là, l'entreprise ne va pas à la même place, parce que chacun, ils ont... Donc là, avec le profil, ça les aide à voir, OK, toi, dans tel contexte, tu vas être bon. Tout à fait. Quand ça va être le temps de faire des investissements, celui qui est plus utilitaire, mais il va avoir de la facilité à réinvestir. Exact. L'autre qui est plus altruiste, bien, c'est lui qui ferait la gestion des ressources humaines. Tout à fait. Tu sais, parce que lui, il va être plus accessible. Exact. Mais les couples aussi, tu sais, moi, je suis certaine que le profil Nova réduirait de 50% les divorces. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça l'aiderait énormément. Exactement. Moi, avec mon conjoint, on s'entend encore mieux parce qu'on a un langage qui nous permet de dire, OK, dans tel contexte, moi, ça, c'est ma force. Moi, je suis plus celle qui va prendre des décisions puis passer à l'action puis dire, OK, on va faire bouger les choses. Puis lui, il est plus la force tranquille du couple. Exact. Puis il me calme, puis ça me fait du bien quand je suis avec lui parce qu'il me dépose. Tout à fait. Des fois, quand j'ai des décisions importantes à prendre, je vais lui demander son son de cloche parce que lui, il prend le temps, il a plus de recul. Tout à fait. Tandis que moi, je suis plus fonceuse puis impulsive. Puis au lieu de se comparer en disant, mais c'est tout le temps toi qui prends les décisions, ben non, pourquoi c'est tout le temps toi qui calme? Puis tu sais, c'est comme, ça. Non, on est une équipe. On est une équipe. On est une équipe. C'est ça. Et on forme un, on forme plus grand. C'est ça. Vraiment. Exactement. Et moi honnêtement, là, souvent les gens disent, comment tu fais pour t'entourer? Mais ça m'a tellement aidé. Là, tu sais, c'est la même affaire avec le comptable. C'est la même affaire avec quelqu'un dans tes ventes. Mais tu vas avoir quelqu'un qui va prendre la place, qui va être proactif, qui va avancer. Mais tout ça dépend ce que tu vends. Ça dépend. Le vendeur de logiciels informatiques, tu veux pas qu'il soit trop extraverti. Non, pas du tout. Il faut qu'il soit pointu, qu'il connaisse son outil. Exact, parce que les gens ne comprennent pas tous de la même façon non plus. C'est ça. Donc, mais d'abord et avant tout, je pense que ceux et celles qui regardent la vidéo, c'est important de ne pas dire « mais moi, j'ai besoin de comprendre les différents profils de personnalité pour pouvoir mieux les contacter pour faire des meilleures ventes ». Non. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est « je pars de où, moi ?» Oui, moi, je suis qui? Je suis qui? C'est la base. C'est la base. C'est la base. Exact. Puis aussi, tu sais, quand tu me demandais au niveau des applications, mais les ressources humaines aussi, tu sais, quand tu embauches les gens, pas juste le CV, mais c'est aussi la personnalité parce que la personne, elle va se réaliser si elle est alignée avec ses forces naturelles. Exact. Puis elle ne va pas avoir besoin de se dénaturer pour être ce qu'elle n'est pas pour que le patron l'approuve. Exact. Tu sais, mettons, toi, si tu veux être justement, comme on disait, pilote d'avion ou ingénieur, tu serais malheureux, même si tu avais le CV et le parcours parfait pour ça, puis que tes parents, ils valorisent ça, fait que tu as dit, bon, je vais étudier en ingénierie. Ça arrive pour plein de monde. Plein de monde. J'ai déjà eu une avocate, une fois, elle est venue me voir. Quand elle a vu son profil, elle est partie à pleurer parce que ça lui a donné un soulagement intense de dire, pourquoi j'ai perdu 10 ans de ma vie à être ce que je suis pas pour faire plaisir à mes parents? Fait que dans le fond, j'ai donné mon pouvoir aux autres. Ouais. Puis dans le fond, elle c'était une altruiste. Elle voulait vraiment aider. Puis une personne douce est devenue psychologue après avoir fait mon profil. Exact. C'est vraiment un impact. Et en même temps, ça avait sa raison d'être. Oui, je veux dire, c'est parfait, oui. Oui, si t'es rendu là, c'est un chemin de reconnexion avec qui on est. C'est ça, mais idéalement, moi, mon idéal aussi, c'est d'amener ça dans les écoles. Ben oui, mais parce que sûr. Si nos jeunes apprennent à se connaître dès le début, mais ils sont dans leur pouvoir, dans leur leadership. Tout à fait. Ils font des choix beaucoup plus cohérents avec qui ils sont, au lieu du parent ou de ce que la société prône. Qui est valorisé. Mais exemple, dans leurs forces, c'est quoi quand tu dis qu'il faut être dans nos forces? Tu peux-tu en mentionner quelques-unes, exemple? Ben nos forces. Ben par exemple, toi, tes forces, tu es quelqu'un de très sociable, très rayonnant, chaleureux, tu es quelqu'un de cœur. Mais c'est pour ça que tu es totalement dans ta zone quand tu parles devant un public parce que tu as un besoin d'influencer plein de gens. Ouais. Puis tu es quelqu'un qui aime avoir du feedback puis interagir avec les gens. Tu es vraiment une nature comme ça. Mais en même temps, ta drive, ta fougue fait que tu es un entrepreneur aussi. Puis tu fais des projets concrets, tu donnes des outils, des livres, des retraites, tu donnes des outils concrets. Si tu étais juste sociable, tu ferais pas tout ça. Je m'éteindrais. Oui. Tiens, admettons que je prendrais pas mon côté entrepreneur pour pas être jugé, pour pas que je m'éteindrais de toute façon. Ça me donnerait. Exact. Toi, je te mettrais dans un bureau tout seul à faire de la comptabilité, tu veux tirer une balle. Ah oui, oui. C'est ça. Puis aussi, tu as le côté calme, posé, à l'écoute, qui fait que t'aimes les retraites, Kaizen, puis t'aimes parce que t'as ce côté-là. Fait que c'est tout ça. C'est
quand tu connais, on n'est pas unidimensionnel. Mais en même temps, elle était en train de montrer que je suis pas mal parfait. J'aurais-tu des côtés à améliorer? Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. J'aime ça! Tout est toujours parfait. Est-ce que tu l'as lu? Pas encore! J'ai tout est toujours parfait. Oui, mais c'est parce que j'ai un bébé de 2 mois. Ah oui, c'est vrai, t'as bien raison. J'ai pas bien, bien de temps. Mais c'est pas grave, je t'en ai pas partout. Mais non, tu sais, on a toujours nos côtés lumière et nos côtés peut-être améliorés, en fait. C'est ça. Exemple, prenons le type de personnalité que je suis parce que ma communauté connaît. C'est quoi les côtés améliorés que j'aurais à avoir? Ben, c'est que tu prends pas beaucoup le temps. Ça, on va le couper au montage quand même. Vas-y, Anna. Pour de vrai, c'est important parce qu'on a tous des côtés améliorés. Ben, t'es pas quelqu'un de pointilleux. Tu t'es pas quelqu'un qui a le souci du détail tant que ça parce que t'es quelqu'un qui a un rythme rapide. T'es un promouvant, extraverti, fonceur. Ouais. Fait que toi, des fois, de prendre le temps de dire, OK, attends, je vais regarder la forêt, on s'aligne-tu? Fait que ton risque, des fois, c'est que t'as tellement faim, t'as tellement envie d'être dans l'action puis de projet, c'est que tu peux en prendre trop, puis là, après, ah, t'es fatigué. Mm-hmm. Parce que t'as peut-être pas géré l'aspect réaliste ou concret, parce que t'es un rêveur. Oui, tout à fait. Fait que ça, c'est un des aspects. Mais c'est aussi, puis tout ça... Plus qu'on devient conscient, plus qu'on arrive à libérer certaines choses. Oui, c'est ça. Si je prends exemple, juste le dernier bout que tu viens de dire, de prendre le temps de voir la forêt ou de voir le paysage, je disais, j'ai faim puis tout ça. Ça, c'est beaucoup différent d'avant. T'as changé. Honnêtement, les choix sont conscients, la vitesse, elle est consciente. Là. Mais honnêtement, tout ce qui est pointilleux, détail, organisation, c'est pas ma force. Suivi. Ça te fait mal. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je fais tout pour développer, pour être bon en suivi? Est-ce que je fais tout pour développer, pour être bon en organisation? Ou bien non, j'utilise mon don et je m'entoure de gens qui me complémentent. Et c'est exactement ce que je fais. Et ça a transformé ma façon de faire de la business, faire des affaires. Et moi, ça m'a donné énormément de pouvoir de manifestation parce que je suis dans ma nature. Et puis, je m'entoure de gens qui sont complémentaires et non des gens qui sont comme moi puis qui croient au même rêve. Mais des gens qui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le respect des différences qui va être la clé. C'est la clé. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Il faut tout pour faire un monde pour vrai. Tout à fait. Tu sais que Carl, mettons, on prend Carl, mais qu'on prend les gens tous dans mon équipe, c'est pas des gens qui pourraient prendre ma place ici comme ça sur stage, puis qui peuvent savoir que oui, je suis dispersé puis tout ça. Mais en même temps, ils savent très bien que c'est ça qui emmène tout ce qui est là, mais eux, ils sont là pour me complémenter. Sans eux, je ne peux pas faire ça. Oui. Et c'est le respect au travers de tout ça. C'est vraiment ça. C'est tellement important, ça. C'est tellement important de savoir bien s'entourer puis d'aimer les autres tels qu'ils sont dans leur force à eux. Oui. Puis j'aime bien l'exemple, tu sais, de le système scolaire. Mais là, tu vas prendre quelqu'un qui est très extraverti, quelqu'un plutôt introverti, mais il y a une façon de faire. On enseigne toujours de la même manière. Exactement. Mais il y a des milliers de personnalités. Différentes. Puis là, on essaie de les mettre dans un moule. Puis de milliers de personnalités qui ne savent même pas qui ils sont. Exactement. Fait qu'imagine en plus. Puis le prof, que des fois, il ne sait même pas son style d'enseignement. La majorité du temps. Il est dans son angle mort. Il enseigne toujours de la même manière. Fonctionner par défaut d'une certaine façon. Oui, sur le pilote automatique. Mais c'est OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est vraiment de bien s'entourer avec les gens qui sont complémentaires puis de respecter et valoriser la différence. Oui. Comme on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est très triste parce qu'on là, on dit qu'il faut fonctionner juste d'une manière. Ouais. C'est faut être comme ça, puis ça, c'est ce qu'on valorise puis qu'on respecte. Mais c'est vraiment cette richesse de multiculturel, de multicouleur, saveur. Puis moi aussi, je m'entoure de gens qui me complètent parce que deux Jasmine dans la même pièce, c'est intense. Même que... Moi, je serais pas capable. Non, c'est ça. Moi, je te dis ouais. Elle dit ouais, t'as raison. Ben, deux François non plus, là. C'est intense à suivre, là. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut s'entourer de gens aussi, par contre, qui ont les mêmes valeurs, par exemple. Ça, c'est important. Ah, tellement. Pas les mêmes comportements, non. Mais les mêmes valeurs, parce que ça, c'est non négociable. Non, t'as raison, exactement. Mais c'est là où c'est le plus difficile d'être dans le non-jugement. Oui. Quand les gens n'ont pas les mêmes valeurs que toi. T'as pas la même religion ou t'as pas les mêmes... valeurs familiales. Le plaisir, la liberté. Tu sais, comme depuis le début, là, on rit, là. Oui, oui. On se prend pas trop au sérieux, puis tout ça. Mais quelqu'un qui aime pas ça, là, tu sais, il va être rigide au travers de tout ça. Oui. Quelqu'un qui pense qu'il faut être sérieux pour être professionnel. C'est ça, exactement. Mais il pourrait pas travailler avec toi. Je comprends pas. T'arrives même pas. T'essayes d'être sérieux, mais il n'y arrive pas. Non, mais t'as raison. T'as raison, et en même temps,
derrière tout ça, tu sais, quand c'est plein d'amour, là, la ouais. personne qui veut être sérieuse, puis finalement... Ah, ça fond. Ça fond tout le temps. Parce qu'au fond des gens, les gens veulent être aimés. Exactement. Tout le monde a un cœur. Tout le monde veut être aimé. Exact. Puis là, je vois ma petite popoune, là, qui a deux mois. On est né pur. On est pur tout amour, à fait. Là. Exactement. Puis après, on se conditionne, on se forge une personnalité, on se forge une identité. Ouais. On suit les codes sociaux de « Ah, une bonne personne doit agir de telle manière. » Ouais. C'est pas vrai, non, ça. Non, c'est ça, exact. Mais c'est des conditionnements. Fait que c'est d'apprendre à détecter qu'est-ce qui m'appartient, ouais. puis qu'est-ce qui a été acheté. Oui, puis exactement. Ça, c'est vraiment de faire un nettoyage. Mais ça prend du temps. Exact. Tu sais, sur le profil Nova, vous arrivez à décortiquer par quatre grands points, quatre grands axes, en fait, rapidement. Là, tu sais, juste pour nous donner rapidement. Une idée vers où est-ce qu'on est, parce que c'est plus pointu, après ça, vous allez plus loin. Très pointu. Mais... Dans le fond, on a quatre traits de personnalité à des intensités différentes. Okay. C'est quatre énergies qu'on associe à des quatre couleurs. Okay. Parce que c'est plus facile, même un enfant peut comprendre c'est quoi les quatre énergies. Il faut vulgariser, c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est très facile. Mais c'est basé sur trois psychologues. Okay. Donc, on a quatre couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. Okay. Et selon l'intensité de chacune de ces couleurs-là, ça va déterminer comment tu fonctionnes. Par exemple, le rouge, lui, il perçoit son environnement comme hostile et menaçant. Fait qu'il y a un tempérament plus fonceur, leader, il est dans l'action, il aime relever des défis. Il a faim de défis. Okay. Puis c'est des gens vraiment très déterminés. Okay. Tu as le jaune, que je pense que les gens vont te reconnaître dans cette énergie-là, c'est vraiment des gens rayonnants qui perçoivent l'environnement comme favorable, puis ils se perçoivent plus fort que leur environnement, comme le rouge. Fait qu'eux, ils sont extravertis au niveau relationnel, puis ils ont besoin d'influencer. Donc, ils communiquent, sont sociables, sont dans la joie. Le verre d'eau est toujours à moitié plein. Quand tu dis qu'il a besoin, c'est comme, c'est-tu un peu le désir de son âme de se réaliser de cette façon-là, dans ce style d'énergie-là? C'est plus une préférence de comportement. Okay, c'est comme, tu peux très bien écrire de la main droite ou de la main gauche, mais tu as une préférence. Tu as un comportement dans lequel tu vas être plus à l'aise. Parfait, je comprends. Donc, tu peux aller dans les quatre couleurs, mais il y en a que tu vas être plus à l'aise. Je comprends. Puis les besoins, c'est plus tes motivations. C'est ce qu'il y a en arrière des couleurs qu'on voit dans le profil. Okay. Mais d'abord, sur tes préférences, donc tu as le jaune qui va influencer, rayonner, avoir du plaisir. Okay. La vie, c'est un jeu. Ouais. Le vert, lui, c'est plus l'énergie introvertie. Il voit son environnement comme favorable, comme le jaune, mais lui, il se perçoit moins fort que son environnement. Donc, lui, il accepte les choses telles qu'elles sont. C'est des gens qui cherchent la stabilité. Il n'est pas faible parce qu'il se perçoit moins fort, là. Non, non. Il accepte qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir sur les choses. Okay. Alors, il les laisse couler. Comme lui, il suit le courant. OK, good. Super. Donc, il est plus calme, posé, à l'écoute, sensible, intériorisé. Ça, c'est des gens qui ont de la facilité à méditer, par exemple. Ouais. Plus dans tes retraites. Puis ceux qui vont avoir plus de difficultés, moi, c'est jaune, vraiment rouge. Ces trois-là. Voilà, beaucoup toi, t'es les trois, exactement. Fait que ton vert nuance ton rouge. Fait que des fois, quand t'es beaucoup dans la drive, ton vert va venir te déposer. Puis tu sais, de savoir quand est-ce aller dans chacune de ces énergies selon le bon contexte. Oui, tout à fait. Comme là, on est dans une énergie vert et jaune. On interagit, on écoute. Mais c'est pas le temps d'être dans le rouge, là. Non, c'est ça. Quand t'écoutes quelqu'un, c'est pas le temps d'être... Ben OK, non, go ben dans non, l'action, ben vas-y, non. Finis ton ben point, non. là, va ben aboutir. Puis la dernière couleur, c'est le bleu. Ouais. Donc, le bleu, lui, perçoit son environnement comme hostile et menaçant, mais il se perçoit moins fort. Donc, il est introverti comme le vert. Puis lui, il dit, bon, je vais chercher une conformité dans cet environnement-là. Je vais me conformer. Fait que c'est des gens plus précis, minutieux, réalistes, planifiés, concentrés, impartial, juste. Ouais. Donc, on a vraiment les quatre. Mais c'est selon l'intensité de chacune, ça te donne un tableau, un portrait global de tes préférences. Okay. Puis là, tu vas avoir deux graphiques. Tu vas avoir ton style naturel, qui tu es vraiment, puis ton style adapté, qui tu penses être. Le masque social. Qui tu penses être ou ce que tu utilises dans la vie de tous les jours avec tes collègues de travail, tes amis, sur le pilote automatique, en fait. Exactement. Ouais. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'écart entre les deux. Okay. Combien d'énergie tu perds à être ce que tu n'es pas? Ça, c'est intéressant, le plus important. Ouais. Puis le profil, quand les gens ils voient leur naturel, il y a comme un... Tout à fait. C'est ça que je préfère être. C'est ça que je suis. Ils se souviennent. Exact. Parce que enfant, t'es déjà dans ton style naturel. Mais après, tu te conditionnes, tu te modifies selon ce que tu veux que les... Ce que tu penses que la société valorise. Ouais. Ou par exemple, ton patron va valoriser un type de comportement. Fait que là, tu vas t'adapter. Ou ton conjoint, ou peu importe. Exact. Mais souvent, les gens sont pas conscients. Ben non, la majorité... 70 % du temps, les gens s'adaptent. C'était ma prochaine question. Puis c'est pas plus que ça?
Bien, 70 % les gens s'adaptent sans le savoir. OK, c'est ça. Mais le 30 % ils s'adaptent, puis c'est un choix. OK, parfait. Ils décident, OK, quand je vais au travail, je suis un gestionnaire, il faut que je sois plus dans, par exemple, le rouge et le bleu, je vais être plus cartésien, puis tout ça. Puis quand j'arrive à la maison, je vais reconnecter avec l'aspect de moi relationnel. Je comprends. Mais ça, c'est des croyances. Oui, non, je comprends. Il croit qu'il ne peut pas être un bon gestionnaire en étant connecté avec son côté humain plus. Tu sais, quand je vous parle souvent d'être cohérent, d'être aligné, mais ça devient de plus en plus simple si tu n'en as rien qu'un, puis tu es toi, en fait. Tu es dans ton essence, tu es dans ton unicité. Mais en même temps, si tu ne sais pas tu t'adaptes peut-être à ta véritable couleur, à ta véritable nature, souvent on fonctionne par défaut parce qu'on ignore. Exactement. On ignore tout ça. Et c'est un petit peu ce que ça vient mettre à jour. Puis là, tu me dis, j'avais la question pour voir c'est combien de pourcentage. Je pensais que c'était plus que 70 %. Mais juste de voir que, oh my God, c'est tellement vrai, je suis comme ça avec ma famille, mes amis, tout le monde, je démontre ça. Oui. Mais en même temps, c'est tellement vrai que je suis comme ça. Puis c'est ça que ça fait, hein? C'est ça. Tu sais, c'est quand tu vois ton vrai style, tu fais comme... ouais, c'est tellement moi, ça! C'est un grand soulagement. Souvent, ça m'arrive que quand les gens sont pas conscients, puis c'est dans leur angle mort, puis que ça fait très longtemps, par exemple, 20 ans, ça m'est déjà arrivé, les gens, ça fait 20 ans. Ben oui! Ils pleurent, il y a comme un... Ah, toute l'énergie que tu as dépensée pour rien à être ce que tu n'es pas... Au lieu de dire, OK, je m'aime comme je suis, telle que je suis avec toutes mes forces. Puis aussi avec les aspects de moi que j'ai moins, puis c'est correct. C'est OK, parce que là, est-ce que, exemple, moi, je devrais mettre mon énergie à développer toute ma façon d'être organisée, mon côté minutieux? Ben non. Est-ce que, imaginez si je fais ça au quotidien. Bien, c'est dommage, mais vous ne voyez pas un petit François sur le live qui n'est pas tout arrangé, puis qui fait des. Tu sais, qui reste dans son inspiration, qui reste dans sa façon de canaliser les choses, puis que. Ce François-là, c'est ce François-là. Donc, vous, c'est la même affaire. Il ne faut pas que les gens se mettent à développer ce qu'ils ne sont pas. Exact. Tu sais, de dire, oh, je vais être comme François, je vais être comme Jasmine, je vais être comme lui. Non, c'est comme, toi, t'es qui? Et à partir de ce moment-là, moi, c'est ça la vision que j'ai, c'est qu'on est tous pris dans une systémique, dans un même système. Et le moment où est-ce que tu trouves ta véritable nature, pouf, t'es aligné, puis les choses explosent. Puis on a... Moi, je pense viscéralement que... La Terre a besoin de chaque individu dans comme ils sont, tels qu'ils sont nés. Exactement. Exactement, parce que si tu veux contribuer à un monde meilleur, il faut que tu rayonnes ton talent unique à toi. Exactement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Si toi, c'est réparer des voitures parce que tu tripes et que tu t'allumes quand tu fais ça, mais fais-le à fond avec tout ton cœur. Tout à fait. Pour qu'il n'y ait plus de lundi matin. Ça n'existe plus. Ça. Ce que tu fais, c'est ce que tu aimes. Fait que ta vie devient vraiment un bonheur. Vraiment. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de bien s'entourer. Oui. Tu sais, pour se complémenter, mais le rôle de bon entrepreneur, parce qu'on a beaucoup de leaders, je considère ça qu'on est des entrepreneurs en pleine conscience, c'est de s'assurer que les gens qui sont autour de nous sont aussi alignés avec qui ils sont vraiment. Oui. Dans leur tâche, dans leur totalement. Travail, dans leur valeur surtout. Totalement. Parce que si tu as une mission, tu veux faire avancer quelque chose, tu veux pas... En tout cas, moi, j'engage pas sur les compétences. Moi, j'engage non, sur... Non, moi non plus. OK, la vision, y a-tu un respect? Tu comprends-tu où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi, qu'est-ce qui te fait vibrer les étoiles dans les yeux et tout ça? C'est ça, qu'est-ce qui t'allume? Puis à partir de maintenant, ben, je vais t'aligner, je vais t'encadrer. Ouais. Fait que moi, je suis toujours en train de regarder mon staff, ma gang qui m'entoure, pour voir s'ils sont alignés. Parce que s'ils sont alignés, ils deviennent des génies. C'est ça. Et ils complémentent, puis boum, ça fait exploser. Ils sont dans leur zone d'excellence. Ben oui, tout à fait. C'est ça que tu veux. Et là, ils trippent. Donc, il n'y a pas de résistance au travail. Et s'il y a de résistance, c'est OK, ça fait partie de la game. On désamorce. Mais. Le but, c'est que, tu sais, notre but, c'est ça que tu fais avec ton travail, puis c'est ça qu'on fait avec la vidéo, c'est de s'assurer que toutes les gens se réalisent finalement. Exactement. Qu'on se réalise à la base, mais les gens autour de nous se réalisent au travers de ça. C'est exactement ça. Il faut se connaître, il faut c'est la base. Essayer de connaître les autres, comment, quel type de personnalité pour et les respecter. Pour ressortir, comme, pour qu'ils se réalisent dans leur plein potentiel. Tout à fait, exact. Mais vraiment, nous, notre vocation dans Swiss Nova, c'est un profil à la fois, on change la vie d'une personne à la fois pour que chacun... Premièrement, face à qui ils sont de manière authentique et vraie. Puis après, se réalisent dans ce qui les allume vraiment. Ouais. Donc, plus ils sont alignés, plus on vit avec des gens qui sont alignés sur la Terre, plus on va être bien. Parce que je pense que le monde meilleur commence vraiment par soi-même. C'est la clé. Gandhi, il disait, soit le changement que tu veux voir dans le monde, bien... Sois une lumière envers toi-même. T'as fait. L'as-tu connu, Gandhi? Oui, c'est mon grand chum.
quel genre de personne qui peut être intéressée à ça, qui peut aller te voir, qui peut, tu sais, c'est tout du monde, les gestionnaires d'entreprise, les cadres, les leaders, des... Non, chaque personne, n'importe maman, qui. Maman, là, qui vient d'avoir un bébé, c'est là, tu sais, qui, tu sais, souvent... C'est un moment pour elle, ouais. N'importe qui. Que ce soit le jeune qui veut juste mieux se connaître pour, justement, avoir de l'estime de lui, faire des choix plus cohérents par rapport à son orientation scolaire, peu importe. Ouais. Les jeunes, ça peut être les couples qui veulent mieux se connaître, voir leurs différences. La Saint-Valentin, c'était hier, mais c'est un excellent outil aussi pour les couples, les familles. Ouais. Voir quel type de parent que tu es, puis comment adapter ton style de parent avec ton enfant. Parce qu'en fait, si tu as deux enfants, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que les deux progressent pareil, qu'ils aient la même énergie, qu'ils aient les mêmes résultats. Exactement. C'est super important de comprendre ça. Je le vois déjà, mon petit garçon de 3 ans, lui, il a déjà beaucoup de rouge, je peux le voir. Ouais. Fait que lui, il ne faut pas que je dise « range les jeux ». Non, c'est ça. OK. Tu vas ranger les jeux. C'est qui va gagner la course qui range le plus de jeux rapidement? Fait que lui, je le challenge parce qu'il il accroche tout de suite à ça. Tout à fait. Fait que les parents, les profs aussi, pour adapter. Ça change tellement de choses, si c'est sûr. Si tu t'enseignes de manière à toucher les quatre couleurs, mais là, tu es vraiment un excellent prof. Exact. Parce que si tu enseignes seulement de manière théorique, bien, celui qui est extraverti, il s'ennuie parce que lui, il a besoin d'action, il a besoin de concret, il a besoin de le faire vivre. Ce qu'il apprend. Ça peut être bon aussi pour les entrepreneurs, pour mieux se connaître dans son style de leadership, parce qu'il y a des profils leadership, gestion, vente, il y a des profils personnels. Pour soi-même, en développement personnel, parce que c'est un outil de développement personnel tout au long de ta vie. Exact. Tu peux l'utiliser tout au long de ta vie. C'est un profil d'une quarantaine de pages. Puis toute ta vie, tu peux tout le temps regarder, OK, je suis rendu où par rapport à ma nature profonde, puis par rapport à mes motivations. Est-ce que je suis en alignement? Ou pas, puis ça t'aide à t'auto-coacher aussi tout au long. Exact. C'est excellent pour les coachs avec leurs clients pour connaître ton client dès le début, puis l'aider dans son épanouissement vers ses objectifs. Exact. Que ce soit du coaching de vie ou du coaching d'affaires, peu importe, c'est de connaître rapidement ton client. En conférence, là. Oui. Tu sais, comprendre qu'il y a différents modèles de gens dans la salle, puis ajuster son discours pour aller faire vibrer différentes cordes. Les quatre couleurs, Quelqu'un qui fait des entrevues comme ça. Oui. Comprendre qu'il y a différentes personnes qui sont en train d'écouter au travers de tout ça. Donc, vraiment, toujours s'assurer qu'on s'adresse aux quatre personnes. Fait que les conférenciers, les formateurs, autant en synergie d'équipe, pour justement avoir une équipe complémentaire. Tu veux pas que toute ton équipe soit comme toi. Non. Parce que là, tu n'es pas une équipe vraiment forte parce qu'il va y avoir des lacunes. Ouais. Mais tu t'entends super bien avec les gens qui sont comme toi. Tout à fait. Fait que c'est sûr que tu vas... Généralement, le gestionnaire, il va embaucher selon ce qu'il pense être puis ce qu'il veut parce que c'est ce qu'il valorise. Mm. Fait que c'est bon de faire des profils de poste Imagines-tu comment ça peut... Oui, exactement, c'est sûr. Puis imagines-tu comment ça peut créer de la résistance quand on n'est pas... aligné avec ça. Quand tu n'es pas conscient que tu engages seulement sur les compétences et tu combles un poste qui est 60 000 $ par année, puis il y en a trois qui viennent postuler, d'en choisir un des mais trois. Mais tu licencies sur la personnalité. Oui, mais c'est ça, exact. Fait que ça coûte cher aux entreprises. Puis en même temps, ça ne fait pas avancer l'entreprise non plus. Il y a une résistance, ça peut faire sortir les bons joueurs de l'entreprise. Oui. Puis c'est fou, mais c'est juste parce qu'il y a de l'ignorance, puis on ne sait pas qu'il y a des outils au travers de tout ça. C'est vrai, puis tu ne vois pas non plus, à l'embauche, tu ne vois pas les valeurs de la personne, ses motivations. C'est quoi l'importance des valeurs, en fait? Parce que là, on a parlé des comportements, les comportements, les quatre couleurs, parce qu'on simplifie avec les quatre couleurs. Exactement, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est prouvé scientifiquement aussi, tout ce que tu apportes qui est intéressant. C'est basé sur trois travaux de psychologue. Exact. Carl Jung, les gens le connaissent souvent. William Marston, lui, il est moins connu, il a bâti le système DISC. Ouais. Et puis, Edward Springer, que lui, parle des motivations. OK. Donc, les motivations, c'est... Donc, qu'est-ce qui est au cœur de ton identité? C'est beaucoup plus important que tes traits de personnalité. Tout à fait. Tes traits de personnalité, c'est un peu ta couleur de cheveux. Dans le fond, t'es né avec, c'est quoi tes préférences. Mais tes motivations, c'est ce qui te fait vibrer. Ouais. Qu'est-ce qui t'allume? Pourquoi ta partie inspire-toi? Dis-moi, c'était quoi tes motivations? Pour faire de l'argent. Je ne crois pas. Tu fais ça gratuit, les événements. En fait, pour changer le monde, c'est d'amener, d'éveiller la conscience pour changer le monde. Puis, tu sais, aujourd'hui, en cours de route, ça a changé. Aujourd'hui, c'est encore pour changer le monde. Mais maintenant, je me suis, il y a quelques temps, ça fait peut-être un an, je me suis perdu au travers de ça parce que ça s'est mis à aller beaucoup plus vite. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu mon plaisir au travers d'Inspire-toi, tu sais. Et j'ai repris le plaisir. Et aujourd'hui, je veux juste triper, m'amuser, éveiller les consciences et laisser aller tout ça, tu sais. Là, on est accessible à monsieur et madame tout le monde des connaissances qu'on devrait avoir dans les écoles. C'est un peu la mission, Inspire-toi. Ouais. C'est une mission fondamentalement. C'est vraiment beau, puis je suis vraiment...
vraiment contente que tu fasses ça parce que vraiment, ça fait un impact. Puis justement, avec ta personnalité rayonnante, tu touches plein de gens, mais ce qui t'anime pour faire ça, c'est vraiment de créer un monde meilleur. Mais si je ramène ça aux motivations, mais tu as probablement un idéologique fort. L'idéologique, c'est des gens qui veulent contribuer à un monde meilleur. Je suis poussé par ce monde. Selon ses valeurs à eux. Mmh. Fait que toi, c'est dans l'inspiration, la pleine conscience, l'alignement, la cohérence. Mais il y en a, par exemple, eux, leur idéologique, c'est l'environnement. Fait qu'ils vont s'impliquer en environnement. Il y en a, ça va être la justice sociale. Fait qu'il y en a, ils peuvent devenir juges ou il y en a, ils peuvent travailler dans un environnement où ils veulent, justement, qu'il y ait plus de justice sociale. Il y en a que ça va être... Par exemple, moi, mon idéologique, c'est vraiment la connaissance de soi puis que chacun se réalise dans son plein potentiel, mais se responsabilise face à leurs talents puis à ce qui les habite. Parce qu'on a des trésors, mais si tu fais rien avec, bien, moi, c'est un peu ça. Ah non, c'est ça. Pour ça que j'ai bâti un outil, parce que je voulais que l'outil soit responsabilise les gens et les rende autonomes tout au long de leur vie à être la meilleure version d'eux-mêmes tout le temps, s'auto-actualiser constamment. Fait que ça, c'était ma mission à moi, ma motivation. Puis, il y en a, c'est l'individualiste. Il y en a, c'est le pouvoir d'être reconnu, d'être dans leur leadership. Tout à fait. T'en as un peu aussi parce que tu es quelqu'un. Mais c'est sûr, pour faire avancer tout ça. Les individualistes, ils ont cette force d'être des piliers d'eux-mêmes. Ils sont. Leur individualité est bien définie. Puis, il ressemble à personne. Exact. François Lemay, c'est François Lemay. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas de... Ça, on ne le coupera pas, ça. On fait un teaser avec ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Les individualistes, c'est vraiment des gens qui ne s'oublient jamais. Mm. Donc, ils ne donnent pas leur pouvoir aux autres. C'est vraiment des gens qui sont assis dans le siège conducteur. Fait que tu parles des individualistes qui vont chercher à avoir une carrière qui leur donne du pouvoir puis d'avoir du pouvoir sur les autres. Tout à fait. Mais... Ou être entrepreneur aussi, travailleur autonome. Moi, j'aurais pas de patron. Tout à fait, exact. Tu sais, ça arrive souvent. Leader de conscience, je suis sûre qu'il y en a qui ont un individualisme fort parce qu'ils veulent... Ils respectent le leadership. Oui, c'est pas nécessairement d'avoir un ego puis de dire « Non, c'est pas ça, individualiste. » C'est comme, bon, prendre mon pouvoir, être mon propre leader, créer, manifester ma vie que je veux. Ouais. Tu sais, puis de... Pour moi, j'appelle ça honorer cette divinité-là, qui est bon, je peux manifester, j'ai un pouvoir de création. Puis d'aimer s'entourer de leaders aussi. Oui, tout à fait. Puis d'aimer s'entourer de gens qui sont originaux puis dans leur unicité. Oui, tout à fait. Aussi, fait que c'est de valoriser ça. Exact. Puis faire attention aussi au niveau des motivations. Des fois, on a des jugements de valeur. Ah, individualiste, c'est mal vu. Non. Ah, ça veut dire qu'il est égoïste. Non, pas du tout. Ou matérialiste. Non, c'est pas ça. Exact. À un moment donné, j'avais quelqu'un que j'ai engagé qui tu avais fait le profil, puis qui avait un matérialiste très fort. Okay. Puis aussi où je l'ai vu, fait, beaucoup plus fort que moi. Mais en même temps, pour ce sur quoi il était engagé, c'est ça que ça prenait. Bon. Oui. Sauf qu'on a changé ce terme-là parce que justement, il y a une connotation. Okay. Ça s'appelle utilitaire. Utilitaire, OK, parfait. C'est plus l'utilité. OK. La rentabilité, le retour peut-être. Pas tout sur investissement, l'utilité, mais c'est aussi des gens pragmatiques. Ouais. Par exemple, l'utilitaire, il va regarder la pièce ici, il va dire, OK, concrètement, j'ai besoin d'une table, j'ai besoin d'un un canapé pour qu'on soit bien, tout ça. Mais lui, il va pas nécessairement regarder, ah, c'est-tu beau, est-ce que ça... Ouais. Non, lui, c'est, est-ce que quand j'achète ce canapé-là, je vais avoir le maximum d'utilité en l'utilisant, tu comprends? Mais on a besoin de ça, hein? Quand tu es un entrepreneur, tu veux t'entourer de gens comme ça, tu sais. Donc, c'est pas juste faire de l'argent à l'utilitaire, c'est des gens qui sont vraiment dans le concret. Tout à fait. Est-ce qu'il pourrait avoir de la résistance entre la personne qui est utilitaire puis l'autre qui va dire, je sais pas comment tu appelles ça aujourd'hui? Non, moi, pas. Oui, altruiste, mais non, l'autre qui veut que ça soit beau, là, tu sais. L'esthétique. L'esthétique. Parce que moi, j'ai ce côté-là aussi. Pour moi, c'est super important. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ben non, mais moi, non, mais non, mais ce que je veux dire, non, je sais, en soi, c'est correct, mais dans une relation, là, est-ce que ça peut mettre de la résistance en disant, arrête, c'est beau, là, c'est utile, c'est pratique? Oui, ça sert à rien. Exact, c'est ça. Oui, oui, c'est sûr que, par exemple, dans une équipe, s'il y en a un, il est très utilitaire, puis l'autre est esthétique. Donc, l'esthétique, c'est la beauté, la réalisation de soi, le développement personnel. Ouais. Donc, l'utilitaire va dire, OK, la table, elle est correcte, là, pas besoin qu'elle coûte 200 pièces de plus. Ouais. Parce qu'elle est belle. Ouais. Mais l'autre, il va dire non, 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 il faut qu'elle soit belle. Ouais. C'est super important, même si ça coûte 200 $ de plus. C'est pas grave. Non, c'est ça. Et je veux juste faire une petite parenthèse pour. Parce que vous êtes tous des leaders de conscience qui essayent de prendre leur place sur le web pour la majorité d'entre vous, qui déploient leur entreprise, que vous avez à faire votre marketing, votre branding, puis tout ça. Donc, imaginez si
pour toi, l'esthétique est super important et tu travailles avec quelqu'un en web qui dit « Ben non, non, ça, c'est pas important, là, c'est juste le trademark, c'est juste ce que tu vas dire. » Parce que souvent, on voit ça, ça dans tes passes, c'est juste la phrase que tu vas dire puis tout ça. Puis là, tu te fais comme « Mais non, ben, pour moi, c'est important que c'est beau. C'est » Moi, c'est important que ça soit beau. Puis je suis d'accord qu'il y en a qui vont dire « Non, on a besoin de convertir puis on a juste besoin d'avoir les bons mots à dire, les bonnes phrases à dire. » Mais si pour toi, tu as besoin d'avoir l'autre, aussi, c'est OK. Exactement. Parce que c'est une pleine réalisation qu'on cherche exactement. À la base. C'est comme... un besoin viscéral, c'est ça, en fait, tes motivations. Donc, c'est vous qui maître, c'est vous qui est leader de tout ça. Si tu as besoin que ça soit beau à travers de ce que tu fais, good. Si pour toi, c'est pas si important, c'est good ça. Aussi. Exact. Vraiment. C'est ça, c'est très bien dit. Puis l'esthétique, c'est vraiment autant le besoin de beauté, mais c'est pas juste la beauté, c'est le besoin de se réaliser. Tout je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens dans, ton, dans ta sûr. Gang, c'est le c'est développement ça, personnel. Ce que je, c'est ça, c'est ce la que je réalisation pose, de soi. La réalisation, c'est ouais, ça. D'être dans son plein pouvoir, puis c'est des gens très intuitifs, ouais. très sensibles, qui ont vraiment des antennes. Donc, c'est vraiment très large dans exactement. Le fond. Puis, effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. Ton site web, il peut être très fonctionnel, puis maximiser le retour sur investissement, mais en même temps, beau. Il n'y a pas tout besoin d'être l'un ou l'autre. Non, c'est ça. Puis là, on est complémentaires dans une équipe aussi, parce tout qu'il y en a qui peuvent avoir des motivations différentes. Exact. C'est là où il ne faut pas se juger. Le non, plus. C'est ça, c'est toujours ça, le respect des différents. Voilà, puis qu'on ne fait pas les choses pour les mêmes raisons chacun, puis c'est parfait. Exact. Puis tu sais, en même temps, on veut attirer des gens qui viennent nous voir pour qui on est vraiment. Exact. Et non des gens qui viennent nous voir parce qu'on a ajusté notre marketing pour plaire à tout le monde. Exactement. On est 7 milliards sur la planète. On veut-tu, on veut, tu sais, ceux et celles qui sont, tu viens juste de le dire, ceux et celles qui me suivent, mais c'est des gens qui vont être intuitifs, qui ont le désir de se réaliser pleinement. Oui. Donc, mais ce n'est pas des gens qui ont besoin d'être tout structurés, organisés. Ils l'ont peut-être pour certains peut-être d'entre eux. Peut-être qu'il y en a que oui. Peut-être qu'il y en a que oui, c'est ça. Ça. Ils l'ont peut-être pour certains d'entre eux. Mais ce qui fait qu'ils ont choisi François, c'est pour pas, ça. C'est ça, c'est exact. Pour ça. C'est donc, pas oui, exactement. Donc, c'est ça, mais c'est le respect des différences. C'est pas de vouloir être comme l'autre, c'est de dire « moi, je suis qui? » Puis ça ramène encore une fois à se connaître soi-même à la base de c'est tout ça. C'est la base, la Et base. Et qu'est-ce que tu penses que l'amour vient faire dans tout ça? Ah, l'amour. Bien, l'amour, c'est une autre motivation aussi de, qu'on parlait, l'altruisme. Il y en a qui sont vraiment motivés par l'amour. L'amour de l'autre, ouais. l'amour de le don de soi, de ouais. vouloir contribuer à l'autre, puis de vraiment d'être sensible aux autres. Mais l'amour, dans tout ça, je pense que ça commence avec soi-même. Ouais. C'est de se regarder dans le miroir puis de dire « OK, je m'aime tel que je suis ici. » Pas quand j'aurais acheté ma maison, deux enfants, quand j'aurais eu tel chiffre d'affaires, ouais. on s'en fout. Non, non, c'est ça. C'est vraiment, je me regarde puis je m'aime dans tout ce que je suis. Exactement. Mais pour s'aimer, je pense qu'il faut se connaître. Faut ça, se connaître. J'en suis convaincue. Ah, tout à fait, c'est sûr. Parce que tu peux t'aimer... Mais ton amour va être superficiel un ouais. petit peu. Et en même temps, il faut qu'il soit... C'est un work in progress. Exact. Pour s'aimer, il faut se connaître. Puis pour se connaître, il faut apprendre à s'aimer. Exact. Puis pour apprendre à s'aimer, il faut se connaître. Puis, et vice c'est versa, ça, ça mais tourne. Mais un amour inconditionnel. Tout à fait. Comme une mère aime ah, ben son oui, enfant. Ça. Moi, je regarde ma petite, je l'aime de tout mon cœur. Puis l'autre jour, en méditant, je me suis dit, et si je m'aimais autant que j'aime ma petite? Que l'amour... de la maman en moi, ouais. soit redirigé vers moi-même. Et fait. Ça, je pense, c'est le plus beau cadeau ben oui, qu'on peut ça. Se faire. C'est ça vraiment... s'apprend, hein? Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Tous les jours. Puis c'est de m'aimer aussi les jours où je suis pas en train de faire plein de bons coups. Tout puis à que, fait. Pff, que je t'ai fâché dans mon divan, là, puis avec... je sais pas, puis je regarde mon film, puis tout le monde travaille cette journée-là. C'est là. Ça. It's okay! It's okay! Pas mal je fière de moi, oui. tu sais, exactement. Exactement. Je suis bien avec ça. Puis c'est là qu'on veut arriver à honorer qui qu'on est, puis à ouais. accepter, puis à accueillir qui qu'on est, notre unicité. Puis plus qu'on arrive à faire ça, c'est pour ça que je voulais toucher à l'amour, c'est que plus qu'il y a une paix d'esprit, puis plus qu'on arrive à « OK, moi, je suis comme ça, tu sais. » C'est pas que je serai jamais comme ça, mais je peux-tu y aller dans le flow de qu'est-ce qui est je veux pas dire nécessairement facile, mais tu sais, qu'est-ce qui naturel. Est naturel pour simple moi? Simple et fluide. Exactement. Ça, c'est un mantra que je me donne. C'est super souvent. Bon, ça. J'aime simple ça. Simple et fluide. Ouais. Quand ça flow, parce que je suis dans le bon chemin. Ouais. Puis c'est même chose pour moi-même. Quand exact. Je force intérieurement puis que c'est compliqué, ouais. là, c'est que je suis pas alignée avec non, qui je suis ça, puis exact. Avec ce qui me fait vibrer. Parce que quand tu es alignée avec tes motivations,
tu as de l'énergie, tu es vivant, la vie devient harmonieuse, puis tu es excité. Tu as des étoiles dans les yeux, tu as le sentiment de pleine réalisation. Je pense souvent comme ça, moi, tu sais. Pleine réalisation, puis lundi matin ne devient pas synonyme de « Ah! » Non, c'est ça, exact. C'est « Yes! » J'ai envie. Il n'y a pas de différence. Exact. J'ai pas hâte à être retraitée. Moi, je ne prendrai jamais ma retraite de ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Ben oui, c'est ça, exact. Tu n'as pas besoin d'argent dans la vie, toi. Tu es plein d'argent. Tu fais pas ça pour l'argent. Ça coule à flot. Hey, Jasmine, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, mais comment qu'on peut en savoir plus? » Mais juste avant de terminer l'entrevue, j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu vite de on va partager des images à l'écran, mais qu'est-ce que ça a l'air d'un profil? Mais moi, je vois quelqu'un juste là, j'aimerais ça qu'elle vienne. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, viens-t'en. Josiane, viens avec nous, viens avec nous. Josiane, assieds-toi en plein milieu. Elle est toute là, puis elle est en train, elle met un carton, puis elle dit toujours à Jasmine quoi dire depuis le début. Josiane Bissonnette, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Oublie pas, faut que tu parles dans mon micro. Oui, oui. Non, c'est pas vrai. Ben oui, ça va bien. Josiane, que tu travailles avec Jasmine maintenant, depuis combien de temps? Bien là, ça fait depuis l'été. Oui, presque un an. Presque un an. C'est notre directrice des formations. J'ai eu un coup de cœur total sur Josiane. Totalement alignée avec notre mission d'entreprise. Excellente pédagogue. Vraiment dans le même cheminement, tout ça. Puis, dans le fond, c'est vraiment un honneur d'être avec toi. Puis, Josiane, c'est elle qui donne les formations maintenant. OK. Donc, nous, on donne des certifications pour les coachs qui veulent utiliser cet outil-là dans leur pratique, mais elle fait aussi des profils, on fait des profils pour les gens, puis tout ça. Tu veux parler un petit peu de... Toi, tu baignes dans le développement personnel depuis toujours. C'est une super belle acquisition avec Swiss Nova. Tu fites à fond, tu te l'air à te réaliser comme un poisson dans l'eau, en fait. Oui, vraiment. Donc, depuis que tu es toute petite, même tu as eu la chance d'avoir un père qui baigne dans la croissance personnelle, toi. Qu'est-ce que tu vas trouver dans Swiss Nova depuis que tu es au travers de tout ça? Bien, je pense que c'est... Je vous écoute depuis tantôt, puis c'est vraiment ça, c'est l'alignement. L'alignement, puis tu sais, je sais, je t'aime beaucoup, puis j'aime ça. Ça non plus, on va pas le couper. On va faire un beau teaser, Carl. Mais c'est vrai, je pense que tu sais, je te dis souvent, j'aime beaucoup ce que tu enseignes, j'aime beaucoup ce que tu fais, puis c'est pas évident pour les gens de suivre leur guidance. Non, c'est ça, tout à fait. Beaucoup d'écouter sa guidance, tout ça. Tu sais, à un moment donné, tu écoutes ça, puis tu dis, ouais, mais suivre ma guidance, c'est quoi? Je fais comment? Comment ça marche? Tu sais, je comprends pas. Bien, je pense que le profil vient être une belle étape à un moment donné pour faire du débroussaillage, pour dire, pour amener au conscient, tu sais, ce qui n'est pas toujours au conscient, justement, au début. C'est pas évident d'être à l'écoute de qui on est. Tellement pas. Puis, je pense que c'est ça. Au départ, moi, c'est ce qui vient me chercher beaucoup. J'aime l'enseigner aussi parce qu'au travers de la formation, bien, c'est un 3 jours de développement personnel pour soi. Ouais. Il y a une paix qui s'installe quand les gens prennent contact avec qui ils sont. Ils reconnaissent quelque chose. Tu sais, quand on reconnaît et on met un sens à ce qu'on vit, ça emmène effectivement une paix. Mais ça passe par l'accueil, tu sais. Oui, tout à fait. Ah ouais, tu penses? Ouais. OK. It's OK! Ça passe par l'accueil de qui on est, de d'abord s'accueillir, puis dire OK, ben moi, voici. Tu sais, le profil, quand tu le vis, tu dis aïe, aïe, voici mon style naturel, puis voici mon style adapté, puis aïe, aïe, je suis en réaction à mon environnement, puis ça, c'est vraiment ce qui me nourrit, ce qui je suis. Puis en plus, avec mes motivations, mes valeurs profondes, quand tu mets ça à jour, là, c'est une première étape, je trouve. Puis après ça, ça peut te donner une espèce de fil rouge. Tu commences à débroussailler ce chemin-là. Puis là, plus ça va, plus tu es dans l'accueil de qui que tu es. Là, plus tu commences à être à l'écoute de ta guidance. Tout à fait. Plus tu commences à être vraiment connecté. Cool! On aime ça! Ça a-tu fait ça pour toi? Oui. Hein? Quand tu as fait ton profil, déjà, tu étais déjà en croissance personnelle, tu es déjà très impliqué, puis tout ça. Mais tu as-tu fait comme, si tu es là, c'est sûr, tu t'es connecté avec Jasmine, c'est sûr, tu as fait. Et moi, je suis capable d'être très, très honnête avec toi, puis de te dire que je me suis fakée longtemps. Là. Non, mais on le savait tout, tu sais, c'est comme... Non, mais très honnête, c'est très honnête, là, j'aime ça, moi. Oui, mais j'ai grandi, justement, dans un milieu comme ça. J'ai beaucoup, énormément de connaissances. Ouais. J'en ai énormément, mais ça veut rien dire. C'est de la grosse bullshit. Ouais. Si moi, je l'intègre pas, puis si moi, je l'accueille pas, c'est vrai. C'est de la grosse bullshit. Fait que, tu sais, puis même mon père me disait tout le temps ça. Puis je disais, papa, je le sais, pourquoi? Le fameux je le sais. Tu sais, puis là, je pognais les nerfs, puis là, j'étais fâchée après moi. Mais à un moment donné, mon père me dit, écoute, t'as ton chemin à faire, puis il faut que tu le fasses. Il n'y a pas personne qui va le faire à ta place. C'est pas parce que t'as toutes les connaissances. Non, il faut que tu l'intègres. Tout à fait. À un moment donné, il faut que tu l'intègres. Exact. Voici ce qui s'est passé avec moi. Et le profil a été pour moi une belle claque d'en face. Ouais. Avec plein d'amour. Oui, tout à fait. Jasmine, plein d'amour. Mais c'est ça.
ça. Fait que, écoute, une belle claque d'en face, puis avec plein d'amour. Puis après ça, ben moi, ça contribue vraiment beaucoup à mon accueil. Tout à fait. Vraiment beaucoup. Fait que c'est comme si là, il y a une intégration qui a commencé à se faire. Ça a été mon histoire. C'est pour ça que je suis vraiment passionnée de C'est plus facile après ça, enseigner, hein, ouais, quand que ça a eu un impact vraiment, comme ça. Puis, Fait qu'après, ça va à vitesse grand V. Fait que, tu sais, les connaissances sont toujours dans ton sac à dos. Tout à fait. À un moment donné, tu oublies le sac à dos, tu te regardes, je veux juste être présente. Exact. À ce qui est, ouais. Exact. Puis toutes mes ressources vont monter au bon moment. Mm-hmm. Moi, j'ai envie qu'on partage aux gens. Parce que là, vous voyez ce qu'on est en train de vous partager. Je vous partage certaines clés un petit peu partout. J'emmène ça à la méditation. Mais tu sais, c'est un tout. C'est un processus. Et jusqu'à la fin de nos jours, êtes-vous d'accord? Oui, oui, c'est ça. Présentement, c'est fin. Là, c'est on ça. On touche. Tout le temps aussi. Oui, c'est ça. Et c'est jusqu'à la fin de nos jours, tout ça. Ouais. Donc, on va partager un profil à l'écran parce que là, on entend style adapté, style. Ouais, ouais. Tu sais, quelqu'un qui. Ouais. Nous, c'est un langage du monde on qu'on est connaît. Habitué, ouais. Mais c'est quoi, exemple? Là, on voit dans à l'écran le style adapté puis le style naturel. Donc, là. Ton style naturel, c'est qui t'es vraiment. C'est tes racines profondes, c'est ton identité. T'es né avec ça, c'est tes talents innés. Ouais. Puis ton style adapté, c'est ton masque social, souvent inconscient. Tu sais, il y a 10 % qu'on utilise qui est conscient. Puis 90 % de qui on est, c'est souvent inconscient. Fait que ton inconscient, c'est beaucoup dans l'adapter. Okay. Ça, c'est le masque que tu vas porter. Puis des fois, c'est une stratégie de survie. Oui, tout à fait. Fait que des fois, les gens peuvent survie à cause d'une relation de couple, oui. À cause d'un travail les gens peuvent se lancer en burn-out avec ça parce totalement. Que plus tu te dénatures, totalement. Plus tu perds de l'énergie à être ce que tu n'es pas, plus c'est épuisant. Maladie, burn-out, dépression, moi, c'est ce qui s'est passé. Etc. Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai arrêté d'avoir du plaisir au travers de ce que je faisais. Oh mon Dieu, toi, le plaisir, c'est tellement important. Et j'ai arrêté de développer mon entreprise parce que j'étais rendu trop gros au travers de ce que je faisais. Donc, ça me faisait peur. Donc, je me suis étouffé. Pouf, un burn-out. Ouais, c'est parfait, finalement. Là, ouais. C'est qu'est-ce qu'on achète aussi socialement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on achète des croyances de comment on a été élevé, de nos parents. Puis des fois, c'est positif. Dans mon cas, c'était positif. Tout à fait. Parce que mon père, c'était un modèle. Fait que moi, j'étais dans mon gros verre. Tu comprends-tu? Puis finalement, j'étais une bipolaire. J'ai les quatre couleurs. Ouais. J'étais une bipolaire. Mais on a toutes les quatre couleurs d'une certaine façon. On a toutes les quatre couleurs. Oui. On le voit vraiment, on a les quatre. Exact. Mais des fois, c'est positif. Des fois, on valorise quelque chose puis on veut se modéliser à quelqu'un. Tellement. Mais des fois, c'est pas ce qu'on. Non, c'est ça. Ça revient encore à la question. Exactement. Puis exact. En arrière de qui tu, des quatre couleurs, les gens ceux qui disent « Ah, je connais ça, les quatre couleurs », oui, mais nous, on met vraiment beaucoup d'emphase sur les motivations. Oui. On met beaucoup, beaucoup de vocabulaire là-dessus parce que ça, c'est le cœur de ton identité. Ouais. Fait que si tu veux te réaliser dans la vie, tu es obligé de savoir c'est quoi tes motivations. Ah, c'est sûr. Puis quand tu les vois noir sur blanc devant toi, ah, moi, je suis cognitif. Moi, ce qui me passionne, c'est d'apprendre. J'ai une curiosité intellectuelle. J'ai besoin de comprendre les choses. OK, mais nourris ça dans ce que tu fais. Si tu fais un travail que ça ne nourrit pas ou que dans ta vie, en général, tu ne nourris pas cet aspect de toi, il y a une partie de toi éteinte, un peu morte même, que quand tu le vois, ça se réveille. Puis là, les étoiles dans les yeux reviennent. Une prise de conscience majeure. Oui. On sait déjà on tout sait. Ça en oui. dessous. Donc, c'est comme... déjà là. C'est on ça. Le remet en lumière. Quand on ramène là, le sens. Ah, je me souviens. Ouais. Qu'est-ce qui me fait du bien? Mais tu sais, là, on a vu les deux profils, en fait, pas les deux profils, mais c'est le naturel, c'est l'adapté. Oui. Mais en fait, comment ça sort, ça, cette affaire-là? C'est ça. C'est, dans le fond, c'est un rapport de entre 20 à 40 pages. Ah, quand même, hein? Oui, oui. Puis on remplit un questionnaire, ça prend 15 minutes. Okay. Fait que c'est super rapide. Puis ça sort vraiment c'est beaucoup d'éléments. C'est des questions étudiées, là, qui oui, avec oui, des le questionnaire tout est ça. Vraiment, c'est vraiment ça. Bien bâti. C'est pas puis un sondage bidon qu'on va ramasser sur c'est un site Internet, quiz, là, que tu partages sur Facebook avant ça, puis tu dis « Oh, félicitations, tu vas réussir dans la vie, c'est là. » C'est ça. Moi, des fois, je vois des petits tests bidons sur Facebook. Non, c'est ça. C'est vraiment pas des trucs. Pas du tout. Et la beauté de ce rapport-là, ça donne beaucoup de pistes d'amélioration. Exactement. De qui que t'es. Tes mais ça t'enseigne aussi. Oui. T'sais, ça t'enseigne par rapport à toi, mais ça t'enseigne par rapport aussi. Aux autres. Là. Ben, ça t'aide vraiment. C'est un outil de développement personnel sur le long terme. Exact. C'est qu'il y a un début, il y a un avant-profil puis il y a un après-profil Nova. T'sais, quand tu l'as eu, mais là, tu as les clés pour te réaliser. Puis tu peux tout le temps revenir à ton profil puis le relire puis dire « OK, je suis rendu où? » Puis tu travailles avec un coach, mais ton coach peut tout le temps aussi te ramener dire « Bon, est-ce que tu nourris, François, en ce moment, ta motivation esthétique, par exemple? » Bien là, dernièrement, non. Puis c'est vrai que ça me manque. « OK, bien, qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour la nourrir? Ah, bien, je vais aller prendre des cours de yoga ou je vais recommencer à écrire parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'exprimer ma créativité. » Ou je vais aller revoir mes amis qu'on va pouvoir avoir des belles discussions profondes parce que c'est ça qui me nourrit. Parce qu'en réalité, si je l'étouffe,
je vais me perdre les étoiles dans les yeux, je vais arrêter de me réaliser. Exactement. Puis on s'en va dans un burn-out éventuel. Exactement. Si on n'est pas aligné. Justement, ça crée un alignement. Tu sais, docteur Marquis, je pense que tu l'as reçu. Oui, toi, dernièrement. En entrevue aussi, comme ça, pour les leaders. Super. Bien, tu sais, il parle, moi, je l'ai écouté, puis tu sais, il parle beaucoup aussi là, que les gens trouvent le sens entre les comportements, les gestes qu'ils posent à tous les jours et les valeurs qu'ils portent. Exact. Bien, justement, le profil Nova, ça aide à ça. Parce que là, tu vois les motivations, tu vois les valeurs. Ouais. Fait que là, une fois que tu es conscient de ça, puis ça t'accompagne, puis tu te ramènes toujours dans ton alignement. OK, je suis en alignement là, avec les valeurs que je porte? Puis c'est quoi les décisions que je prends? Ouais. C'est quoi les gestes que je pose à tous les jours? Ouais, tout à fait. Là, à partir de ce moment-là, ça t'aide à te ramener parce que tu as un impact visuel. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai que l'impact visuel, elle a un impact, Oui, c'est une photo. C'est une photo. Que là, moi, souvent, j'ai ma photo dans la tête. De dire, OK, Jasmine, est-ce que tu es alignée? Ah, là, tu es trop dans telle énergie. Ouais. Par exemple, quand je vais trop dans mon rouge, mais là, mon vert est comme, OK, mais là, reviens. Exact. Fait que je me ramène. Un rapport, c'est temps... comme un peu un scan de notre personnalité, oui. de ce qui est important pour nous aussi. Puis ton unicité aussi. De ton unicité. Puis qui va nous permettre de s'améliorer, de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est, de voir nos forces, nos côtés améliorés, puis de s'améliorer en cours de route. Vraiment un outil de développement. Puis à la fin, tu as même un plan de développement que tu peux écrire dedans, dire, bon, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a fait réagir, tout ça, puis qu'est-ce que concrètement je veux prendre comme action ou engagement envers moi-même pour le mettre en action. Fait que c'est vraiment de le rendre vivant. Ah, vraiment. C'est vraiment Je nous écoute parler, puis je me dis, bon, mais il y a des gens qui nous regardent en disant, ah, c'est super intéressant, comme il y a des gens qui nous regardent en disant, c'est compliqué, là, parce que t'as peu, là. C'est quoi tes valeurs, là, être en cohérence avec ça, puis après ça, avance au travers de... c'est quoi ça veut dire, tout ça? Hein? C'est un process, un pas à la fois. Une chose à la fois, c'est... Peu importe où est-ce qu'on est. Exact. Est-ce que, moi, je ramène toujours ça, est-ce que j'ai le sentiment de me réaliser présentement? Si oui, répète. Oui, ou est-ce que je suis heureux, tout simplement? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que... je sens que j'ai de l'énergie et que je suis passionnée par ce que je fais ou non. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'emmène ça, ce sentiment de se réaliser parce que je suis heureux, c'est différent, différent pour plein de personnes. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux puis cette ouverture-là? Est-ce que je vibre? Est-ce que je... Si oui, c'est correct, répète. Oui, répète. Si c'est ça. S'il y a quelque chose que tu penses que... Ah, c'est pas, là, il me semble que je suis à côté de la traque où je me compare souvent aux autres, puis je suis en train de me juger, puis il y a de la résistance beaucoup, mais peut-être que je peux apprendre à mieux me connaître, qui va me permettre de mieux connaître les autres. Puis tu sais, au sens, tu vas avoir de l'amour, la tolérance, le respect, va prendre tout son sens là, au travers de tout ça, cette co-création-là. Puis s'il y a des gens, exemple, qui sont intéressés à dire, mais moi, je veux faire le profil, j'aimerais ça le faire avec, avec vous deux, ou bien non, peut-être de vous former des coachs aussi. Oui, c'est ça. Toi, t'arrives de Tunisie, là. Oui! Hein? Pas facile, la vie. C'était ça devait être quelque chose. Jasmine, t'as parcouru le monde, toi aussi, en faisant ça. Oui, beaucoup. T'as été aussi ma formatrice à moi quand tu m'as formée à Laval il y a plusieurs mois. Hein? On a fait du chemin depuis. Stéphanie, vraiment, c'était super. Ouais. Puis, dans le fond, comment ça marche? Oui. OK, bien, c'est rapide. Vous allez sur profilnova.com. OK, on va mettre l'adresse ici, là-bas. Ceux qui veulent, ils peuvent avoir d'abord leur profil à eux. Okay. Fait que c'est un questionnaire de 15 minutes. Okay. Puis après, on rencontre un coach certifié. Qui peut te donner le débriefing personnalisé de ton profil en 1h30 à 2h. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2h30. Donc, ça peut être une rencontre ponctuelle juste pour faire son profil ou ça peut être un processus de coaching. Puis, il y a ceux qui veulent l'utiliser dans leur pratique, qui ont aussi la certification. Donc là, tu peux utiliser le profil dans ta pratique de coaching ou de ressources humaines ou de formateur ou de conférencier ou de gestionnaire, peu importe. Et c'est 3 jours de formation. Okay. Et puis, dans les 3 jours, Josiane ou un autre formateur va enseigner comment l'outil fonctionne et comment l'analyser pour tes clients. Parce que tu peux bonifier ta pratique de coaching. Exactement. Puis tu te démarques aussi parce que tu utilises un outil puissant dans ton approche et percutant et qui t'aide à aller encore plus loin avec tes clients. Ça te permet-tu de faire des conférences là-dessus après ça, pour faire des formations exactement. À travers de tout ça? Exactement. Ah, oui, c'est ça. Écoute, c'est une corde de plus à ton arc, exactement. Là, tout ça, ces choses-là. Tout à fait. Exactement. Comme j'ai fait, en fait. Hein? Exactement. Ben oui. Mais oui, ça aide énormément. Donc, 4 jours. 3 jours. 3 jours, en fait, puis tu donnes ça à plusieurs reprises. Partout au Québec. Puis on a des gens de l'Europe dans le monde aussi. Écoutent. On peut le faire aussi sur le web, donc par Zoom ou webconférence. OK. Puis, donc, il n'y a pas de distance. Là. Okay. Pas on de en problème. A une en Suisse qui s'en vient, en une Suisse. Okay. Une au Maroc. Casablanca aussi. Ça passe bien à télé, c'est quand on dit ça. À Québec en février. En février prochain. À Sainte-Thérèse ici aussi, on en donne. Partout. Super. Écoute, on va mettre l'adresse sous la vidéo, mais en dessous aussi dans l'article.
Merci, c'est vraiment intéressant. Merci, ce que vous faites. C'est vraiment complémentaire avec le parcours. On est en mission, hein? On est tous en mission, tout le monde. On est des alliés. Puis j'espère que ça vous a fait vibrer, ça vous a parlé. C'est très complémentaire. Allez voir ce qui se passe chez Swiss Nova. Et je vais vous partager mon profil à moi. Hein? Ouais, c'est correct, vous me donnez l'autorisation. Juste pour que vous puissiez filtrer. Feuilleter. Merci, une chance, t'es là. Pouvoir voir peut-être que ça pourrait être bon pour vous. Merci beaucoup. Puis si je peux être là, vous aider. Vous savez, si j'ai partagé Jasmine et Josiane, c'est parce que je crois véritablement à ce qu'ils partagent, à ce que ça peut réellement vous aider. Puis je suis curieux de lire, hein, de lire vos commentaires sous la vidéo. Est-ce que peut-être que vous avez déjà passé le profil Swiss Nova? Puis sinon, est-ce que vous connaissez ça? Puis c'est quoi vos questionnements par rapport à tout ça? Peut-être que Josiane et Jasmine pourront venir vous répondre. Et moi-même. Ça me fait plaisir. Good. Merci beaucoup. Merci. Vous savez qu'est-ce que j'aime à gang à la fin? Est-ce que vous le savez? Non. Non! Tout mon amour, je vous aime. C'est ça. Et c'est François Lemay qui dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Bye.